Je n'ai même pas la place, j'achète encore de ces choses. Oh, maman n'a encore maman. Vous savez quoi? Je n'ai pas envie. Bonsoir tout le monde. Fleur de Lys, la reine bien la PDG internationale. Celle qui ne met pas le filtre à temps. La mafia internationale. Bonsoir à tout le monde. Rebonsoir encore une fois de plus. Vous avez vu que j'ai commencé ce live d'abord par chanter une musique, une chanson religieuse. Hein?
pour les âmes de bonne volonté, pour que le Seigneur protège ce live. Que le Seigneur nous protège ce live. Et le Seigneur nous bénisse, nous protège tout au long de ce live. Nous sommes là ce soir pour taper les mains, le salam, pour demander aux âmes de bonne volonté que pardon, pardon, nous sommes là ce soir pour se mettre à genoux et vous demander et vous dire qu'une maman pleure au pays. Elle n'a pas vu son enfant depuis plus de 15 ans. Elle s'appelle Janine. De son nom de naissance, Janine Dongmo. De son nom de mai, Océane Kualao, je ne connais pas. Elle est décédée à Paris. Et la mairie a décidé de l'enterrer ici. S'il vous plaît, quand on dit enterrer ici, qui t'en coûte, pardon, cotise, non, papa, pardon, c'est le PayPal ou Orange Money, pardon, pardon, cotisez pour que le corps de cette fille puisse rentrer. Et il faut que derrière chaque levée de fonds, il y a une histoire. Je voudrais dire à ces personnes-là qui font les ragots, qui parlent partout, que Fleur de Lys, mais pourquoi elle raconte la vie de cette fille quand elle est déjà décédée? Hein? Oui, heureusement que je raconte quand elle est déjà décédée. Il ne faut pas que sa mémoire soit salie. Entre de raconter sa vie pour récolter les fonds et qu'on la jette dans une fosse commune, et si vous choisissez quoi? Je pense que la famille choisit la mère qui est la première qui pleure plus que tout le monde choisit qu'on raconte la vie de sa fille. Que l'essentiel, c'est qu'elle puisse voir le corps de son enfant. Donc, ce que les gens racontent là, que oui, mais pourquoi tu racontes sa vie? Parce qu'on ne peut pas lancer un direct. C'est moi pour dire aux gens que oui, il faut cotiser. On veut cotiser que l'histoire qui accompagne la cotisation, c'est quoi? Quelle est l'histoire? Quelle histoire accompagne la cotisation? Il faut bien raconter sa vie. Qu'elle soit sale ou propre, elle sera racontée. Et je vais la raconter correctement et bien. Si aujourd'hui, les gens ont de la peine, les gens choisissent même de cotiser, parce que je vais vous donner ça en live. Quand vous allez mettre en live sur PayPal ou sur Orange Money, je vais déjà faire le calcul depuis le matin, vous dire ce que j'ai déjà récolté, ce que j'ai déjà reçu comme don. Je pense que la mère choisit ce qu'elle veut. Chaque parent aimerait que son enfant l'enterre. Aucun parent ne souhaite enterrer son enfant. Surtout une femme, une si jeune dame. On accouche l'enfant, mais on ne fait pas son cœur. Quand tu accouches ton enfant, tu ne sais pas ce que l'enfant sera demain. Nous sommes en Europe. On mène les vies ici que nos parents, nos familles ne savent pas ce qu'on mène comme vie. Il y a les hommes qui sont mariés ici, il est braqueur la nuit. Mais sa femme sait qu'il est sécurité, non? On sait qu'il travaille une banque, on sait qu'il fait ceci. Il y a les femmes ici qui accompagnent seulement les bandits, les voleurs. Mais qui connaît leur vie? Et ça, c'est le toit qui cache. Vous dites que nous sommes en Europe. Nos familles ne savent jamais ce qu'on fait. Sa mère ne connaissait pas la vie que sa fille menait. Une mère ne peut pas jeter son enfant, quel que soit ce que l'enfant est. Aucun parent ne peut jeter son enfant. Même si on dit que l'enfant est quoi? Tu acceptes parce que c'est ton enfant. La mère pleure. La mère de Janine pleure. Une pauvre maman qui au marché, qui se bat, qui vend les vivres frais, qui sort à 5 heures.
Vous connaissez le risque de sortir à 4 pour aller à Sandanga? C'est le risque qu'on t'agresse. Mais cette maman sort dans la pluie, la neige, le soleil, et pas vendre ses fruits et légumes. Elle n'a jamais dit que comme mon enfant en baigne, je ne fais plus rien, m'en vais m'asseoir, je tourne dans les bars pour boire la bière, pour boire le vin. Non. Parce que il y a des parents qui ont la chance et il y a des parents qui n'en ont pas. Il y a des parents qui ont la chance d'avoir les enfants en Europe qui pensent à eux. Mais il y a des parents qui n'ont pas cette chance-là. Beaucoup de parents n'ont pas cette chance-là. Parce qu'il faut avoir beaucoup de chance pour que ton enfant arrive en Europe et penser faire quelque chose. Et penser aux parents. Penser même donner un fonds de commerce. Je tire un coup de chapeau à toutes ces personnes qui n'ont jamais oublié le derrière. Je tire un coup de chapeau à toutes ces personnes-là qui n'oublient pas leur famille. Qui n'oublient pas d'où ils viennent. Je tire un coup de chapeau à toutes ces femmes-là qui arrivent en Europe et pensent à leur progéniture. Pensent à la famille qu'ils ont laissée derrière. Mes chers frères et sœurs, on vous a dit que derrière les réseaux sociaux se cachent beaucoup de choses. Derrière le mouvement de Paris, derrière la fiesta, les soirées à Paris, derrière les belles filles aux talons aigus à Paris, en Europe, dans les soirées, se cachent beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui ont abandonné leur famille, qui ne donnent rien. Derrière beaucoup de femmes qui portent les gros sacs de marque et bavardent trop, partout, partout là, se cachent les filles qui ont abandonné leurs enfants. Se cachent les femmes qu'on a détourné leur cerveau. Se cachent les femmes qui ne donnent rien. Je dis bien rien à leur famille. On ne parle pas des morts. Mais on va parler de Janie. Parce que l'histoire de Janie, c'est une histoire qui va nous amener à comprendre. Pour les gens qui la connaissent, c'était une viveuse. Elle portait toujours les mèches qui viennent de sortir, les chaussures de marque, les bonnes choses, du moins, la nouveauté. Mais derrière cette femme-là, se cache une personne qui a abandonné sa famille. Se cache une personne qui a abandonné son enfant. Se cache une femme qu'on a lavé le cerveau. Qu'une escroc, une gigolette, a lavé le cerveau. Et l'a fait oublier sa famille. Derrière Janine se cache cette grosse patapouf de Longo, Muriel, le King. Ou bien le même King dans quoi, oh? Je ne sais pas. Elle a passé sa journée à m'appeler aujourd'hui. Elle m'appelle pourquoi? Parce qu'elle a des problèmes. J'ai reçu son passeport qu'elle est jumée avec. J'ai son kaolo à main. Tout ce que je demande à l'escroc, celle qui a lavé le cerveau de Janine pour qu'elle oublie sa famille. Longo alias Muriel épouse ce qui l'a. Elle a pas mal, elle est même mariée dans les papiers là-bas. Il y a 2 mois, elle a mangé encore les 800 euros. C'est elle que la fille a choisi de faire venir le pays. Et laisser son enfant, lui a payé. Elle n'est pas venue par Boza, elle est venue en avion. Janine, c'est une fille qui a Boza. J'ai ça ici. Elle est entrée par Boza. Donc elle a pris le risque de sa vie. Elle est entrée. Mais elle a choisi de faire venir une femme qu'elle croyait qu'ils allaient finir les jours meilleurs ensemble. Celle-là est arrivée. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est qui? Oui, c'est Marie, la petite soeur de Janine. Oui, ma grande. Tu es déjà rentrée? Oui, je suis déjà rentrée. Oui, je voudrais que tu passes la maman parce que je suis en live.
pour que si elle a quelque chose à dire à la diaspora, à tous les Camerounais qui sont à la diaspora, les implorer pour qu'ils puissent faire quelque chose pour que le corps de son enfant arrive au Cameroun. Donc, elle a tout son temps pour parler. Hein. Voilà. Oui, la maman. Tout de suite. Oui, oui, elle est là. D'accord, elle est auprès de moi. D'accord, passe-la moi. Bonjour. Bonjour, maman. Merci. Allô. Oui, allô, maman, on t'écoute. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, maman. Pardon. Bonsoir. Pardon. Je vous en prie. Je vous en prie, pardon. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Je ne sais même plus comment je veux faire. Je dis pour ramener le corps, je puisse voir au moins le corps. Pardon, je vous en prie. À tout le monde, pardon, de m'aider. Je m'aider vraiment. Si je vois vraiment le corps, vraiment, je serai vraiment fier. Si je vois au moins le corps, pardon, faut m'aider. Tout le monde, toute la population. Je me mets vraiment à genoux devant vous, que pardon, faut m'aider. Je ne sais même plus, je suis même là comme ça, malade. Malade jusqu'à ce que je suis couché. Je ne sais même plus quoi faire. Pardon. Je vous en prie. La population, aidez-moi, je vous en prie. Je suis même là comme ça, couché, malade depuis. Ça a dû bien écouter ma faute. Ma, au passé, on dort là, on est sous. Oui. N'entends quoi après là? Allô? Oui, ma grande. Oui, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire? Non, d'accord. Je ne sais pas si les Camerounais et en tout cas tous les Africains qui sont là-bas peuvent nous aider pour pouvoir ramener le corps de ma grande sœur pour que nous en soyons tranquille parce que nous on est dépassé par la situation, franchement on ne sait plus quoi dire. J'aimerais que tu passes un message, tu es une fille qui allait à l'école, passe un message à la diaspora, ne fais pas, je t'ai laissé l'antenne parce que c'est vous qui allez pousser les gens à cotiser, tu as l'antenne, passe un message comme une femme passe le message, dis quelque chose à la diaspora pour le corps de ta soeur. Voilà, je te laisse encore l'antenne. Vas-y, formule ton message. On t'écoute. S'il te plaît, je peux te rappeler dans okay. 2 minutes. D'accord. Bon. Mes chers compatriotes de la diaspora et du Cameroun, les pleurs de cette maman ne laissent personne indifférent. Vous savez pourquoi j'ai fait appel à eux? Parce que les gens vont cotiser pour Jeannine à travers les pleurs de sa mère. C'est par rapport à sa mère, à la pitié que les gens ont pour sa mère, que la diaspora va mettre la main aujourd'hui dans le sac. Que chaque personne de la diaspora, c'est vraiment exceptionnel, que chaque personne de cette diaspora qui peut
Vraiment, ne dites pas que c'est petit. Même si c'est 20 euros, 10 euros, vous avez le PayPal qui est là. Vous avez le PayPal. Vous pouvez cotiser pour... Et c'est vraiment exceptionnel. S'il vous plaît, ne mettez plus les pleurs sur le live. Parce que quand on met les pleurs là, c'est pour dire à Zokombek que ce n'est pas bon. Donc ne mettez pas les pleurs. Mettez que les cœurs, même si quelqu'un pleure. Ne mettez plus les pleurs. Parce qu'en mettant les pleurs, ça coupe le live. Donc, ce sont les pleurs. C'est au nom de cette maman. Parce qu'on a entendu ses pleurs. Je suis en train de vous comprendre. Beaucoup de gens disent que l'assurance, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'elle a déjà décidé, elle n'avait pas d'assurance. Et je voulais attirer l'attention de tous. L'assurance obsèque, comment on appelle, ça commence à 9,40 € par mois à la poste. Tout le monde a droit. Qu'on ait papier ou pas, on peut souscrire l'assurance obsèque auprès de n'importe quelle banque. Nous devons y penser. Les chefs, ça tout dépend de ton capital, du capital que tu mets. Mais aujourd'hui, on parle d'une situation qui est critique. On parle du, il faut souscrire l'assurance. Pardon, s'il y a quelqu'un qui travaille aux assurances, qui peut appeler pour expliquer un peu comment ça se passe, la procédure de souscrire l'assurance, s'il vous plaît. Ce live, c'est un live pour... c'est un live pour récolter les fonds. Mais on ne peut pas récolter les fonds sans discuter. Il faut bien qu'on parle de la vie de Janine. De comment elle a commencé au Maroc jusqu'ici. Il y a des personnes qui vont intervenir. J'aimerais vous dire que quand on dit à la maman qu'on va l'enterrer ici, en Europe, on paye la place au cimetière, ça coûte très cher. C'est une location qui se paye. Donc ne pensez pas que quand tu n'as pas payé le cimetière, on va t'enterrer là-bas. Non, on te jette là où on jette les gens qui n'ont pas de place au cimetière. Il faut 5 000 € pour rapatrier le corps. Il faut 5 000 € pour rapatrier son corps. Et 5 000 € que vous voyez... Oh, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô? Oui, coucou, ma fou. Oui. Oui, bonsoir, excuse-moi de te déranger, c'est moi qui suis dans le forum. Je viens de t'envoyer un numéro là, s'il te plaît. Appelle le gars là, il s'appelle Aimé Lazer, je viens de l'appeler. Il a beaucoup de choses à dire par rapport à Janine parce qu'il m'a appelé en journée là. Et je viens de lui demander, est-ce qu'il me donne le feu vert de lui donner ton numéro pour que tu puisses l'appeler? Il m'a dit qu'il est prêt à intervenir. Oui, appelle-le, dis-lui s'il veut intervenir, qu'il appelle, s'il te plaît. Vas-y. Merci. Vas-y. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut appeler pour expliquer comment souscrire les assurances, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne savent pas ce que c'est. C'est vraiment important. On a demandé 5 000 € pour rapatrier son corps au Cameroun. 5 000 €, c'est vraiment le premier prix. C'est le pont funèbre qu'on a trouvé vraiment le moins cher, le moins cher. Parce que ce qui fait souvent que le pont funèbre coûte cher, ce sont les cercueils en fait. Donc, on a pris vraiment le premier prix du cercueil, c'est-à-dire le genre de cercueil qui est seulement 4 planches. Et, oh, il y a le président Harry Mamoussa qui appelle. Oui, président, je vous mets en live. Non, ne coupe pas. Il y a le secrétaire général qui a l'assureur. C'est un assureur. Le secrétaire, c'est lui, il est l'assureur. Il va t'appeler pour t'expliquer, pour expliquer à tous les Camerounais. D'accord. Merci. Ok. Mmh. Ouais. Bon. Il faut un assureur qui appelle, qui explique comment ça se passe pour souscrire l'assurance. C'est très important.
Parce que nous sommes confrontés à une situation critique et on ne veut plus ça dans la diaspora. On ne veut plus ça. On est fatigué que tous les jours on demande aux gens que tel est mort, il faut cotiser. Tel artiste, il faut cotiser, il faut cotiser. Les gens en ont marre. Dans les deux, on cotise toujours. Mais il faut cotiser parce qu'il y a une veillée, tu cotises. On ne va pas cotiser parce que une personne était là qui buvait ses champagnes, qui montait, qui descendait, qui vivait sa vie. Et puis du jour au lendemain, on dit que non, il faut cotiser. Entre-temps, ses copines sont tombées dans les Sisongo. Ses copines sont dans les Sisongo. Moi, Fleur de Lille, je mets 100 euros. Je cotise 100 euros. Pour les obsèques de Janine, je cotise 100 euros. En tant qu'homme de bonne volonté, de bonne foi, je donne 100 euros. Et en même temps, je voudrais vous dire ce qui a déjà, ce qui a été cotisé aujourd'hui. Donc, depuis le matin, dans le PayPal, ce qui a déjà été cotisé, sur l'Orange Money du Cameroun, j'ai reçu 10 000 francs CFA, 5 000 francs de deux personnes. Sur le PayPal, j'ai reçu déjà 260 euros. J'ai déjà reçu 260 euros. Moi-même, je mets 100 euros. J'ai reçu 260 euros. Ça fait déjà 360, 10 000 francs venant du Cameroun. Il y a quelqu'un qui appelle? Non, je ne sais pas. Quelqu'un vient d'envoyer 20 euros par PayPal. Merci à la personne qui vient d'envoyer 20 euros tout de suite. Je suis en train de voir par PayPal tout de suite. Quelqu'un vient d'envoyer 20 euros. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Ndema Moussa, le secrétaire général de la diaspora positive. Bonsoir, bonsoir, monsieur. J'ai mis le haut-parleur. Ah, d'accord, ok. Alors, bonsoir à tout... bonsoir tout le monde. Je suis Ndema Moussa, le secrétaire général de la diaspora positive. Mon intervention sera très succincte. Déjà, premièrement, avec le président Henri Mamoza, nous avons trouvé une solution, un meilleur prix pour que le corps de notre sœur puisse être rapatrié au Cameroun. Et c'était donc pour déjà confirmer aux uns aux autres que ce n'est pas de l'arnaque. Car je suis moi-même assureur, courtier d'assurance. Et c'est grâce à mon réseau que nous avons pu obtenir ce prix qui est convenable dans la circonstance. Alors, ceux qui de près ou de loin, qui ont une âme sensible, une âme d'amour, ils peuvent contribuer. Ils ont plusieurs possibilités. Soit ils peuvent passer dans mon cabinet au 121 rue de Clignancourt à Paris 18 et déposer leur contribution. Soit on va le mettre à disposition le RIB de la société pour qu'il y ait une traçabilité. Je préfère bien que ce soit par RIB de compte en compte, au moins là, ça laissera une trace. Soit, j'ai entendu que Flore de Lille a lancé un PayPal. Vous pouvez également contribuer via ce lien PayPal. Mais nous n'avons que 5-6 jours maxi. Si on ne contient pas toutes ces sommes-là d'ici les 5 jours, eh bien, le corps ira dans la fosse commune. Ça va terminer. Donc, s'il vous plaît, ceux qui m'écoutent, faites un geste de bonne volonté. Avant tout, au-delà de tout ce qu'elle a pu être, c'était sa vie personnelle. Donc, ayant une âme charitable, donnons ce que nous pouvons sans juger. Parce que nous tous, nous avons des vies, pas forcément de lumière. Mais l'heure n'est pas au jugement, l'heure est au recueillement, au respect de la défunte et à l'amour que nous pouvons aujourd'hui projeter à la famille qui est restée au Cameroun, qui souffre. Parce qu'au-delà de tout, cette femme que j'ai écoutée, cette mère que j'ai écoutée tout à l'heure, toute sa vie, elle va souffrir. Sa sœur qui a parlé va également souffrir. Donc, aidons-la à pleurer dignement son enfant. Donc, je répète, vous avez la possibilité de passer dans mon cabinet au 121 rue du Clignancourt, Paris 18. Vous déposerez votre contribution qui sera consignée dans un registre ou vous pourrez le faire via un RIB que j'enverrai à Fort de Lille qu'elle mettra à votre disposition ou soit vous ferez le PayPal dont elle a parlé.
Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, le dernier point sur lequel je vais envoyer, tel que l'a dit Flor de Lille, je pense également, nous qui sommes vivants et qui aimons la vie, préparons notre mort maintenant. Les assurances rapatriement de corps ne coûtent pas cher pour ceux qui veulent se faire enterrer au pays. Ça ne coûte pas cher. Ceux qui veulent se faire enterrer en France, c'est le capital décès. Ça ne coûte pas cher. D'une manière ou d'une autre, venez vers nous qui sommes des spécialistes de la matière. On va vous guider au mieux. Au mieux, parce que c'est quand même incompréhensible qu'au XXIe siècle, on est soit entre guillemets dans les pays de lumière, qu'on refuse radicalement de prévoir la mort, alors que la mort fait partie de la vie. Donc, Flor de Lille, j'ai fini. Si tu as des questions à me poser, je répondrai. Sinon, non, j'ai des questions. J'aimerais savoir combien coûte l'assurance rapatriement de base et quelles sont les conditions pour souscrire. Okay, l'assurance rapatriement de corps dépend de l'âge. Donc, ça va de 10 euros pour un enfant de 18 ans à 194 euros pour quelqu'un qui est dans la tranche de 60 à 70 ans. Par an. Et c'est par an. Les conditions, ok, d'accord. C'est ça que je voulais savoir. C'est-à-dire que pour une personne, par exemple, on va dire une personne comme ma mère, je prends un exemple, elle a 74 ans. Si je dois venir, par exemple, souscrire une assurance pour elle, comment je fais? Bon, pour ta maman, ça coûtera un peu plus cher parce qu'on va entrer dans un autre créneau. Parce que ça coûtera à peu près, vu son âge, allez, en moyenne, entre 450 et 500 euros l'année. Parce que c'est hors 70 ans d'acte d'anniversaire, âge révolu. Mais pour ceux qui sont de 70 ans jusqu'à 18 ans, ça va de 10 euros par an à 114 euros l'année. Et les conditions sont simples. Votre nom, prénom, date de naissance et le lieu où vous voulez être inhumé, donc le pays. On ne demande pas les papiers. Il faudrait avoir au demeurant un compte bancaire. Donc, si quelqu'un dans votre entourage a un compte bancaire sur lequel on peut faire un prélèvement, voilà ce qui peut être une difficulté. Mais ça, quand on a des bonnes relations, et c'est une des raisons pour laquelle la diaspora positive est créée. C'est pour compenser ceux qui n'ont pas des comptes bancaires. Comme ça, leur argent est déposé à la diaspora positive et la diaspora positive va payer pour eux chaque année. Donc, c'est voilà. Donc, c'est simple que ça. Mais vous savez résumé, que quand on explique derrière Internet comme ça, il faut entrer un peu dans les détails pour que les gens puissent bien comprendre. Hein. Pardon, vous allez m'excuser. Je reprends. Est-ce qu'il faut absolument avoir les papiers en France, être en situation régulière pour souscrire l'assurance? Non. Il faut donner le nom exact qui va, à votre décès, on va vous retrouver, on va avoir le nom qui figure sur votre passeport. Je donne un exemple. Si vous appelez Pierre Donfac et que sur le passeport, c'est Pierre ou moi faux, c'est deux personnes différentes. Mm-hmm. Donc, donnez le nom que vous utilisez en Europe. Et puis, ce qui est important, les assureurs sont soumis au droit de secret. Je dis bien secret, confidentiel. Mm-hmm. Ça veut dire que si vous passez par exemple chez moi et que par hasard, vous apprenez que dans un débit de boisson, moi, Ndema Moussa, Jean, j'ai parlé de votre supposé vrai nom ou vrai âge, vous me portez plainte, on m'enlève l'agrément. Est-ce que ça peut se payer en plusieurs fois? Ça peut se payer par trimestre, tous les trimestres. Tous les 3 mois. Les 3 mois. Mais nous conseillons toujours, si on peut, de faire l'effort de payer à l'année. Je m'explique. Si vous payez par trimestre et qu'il arrive le trimestre d'après pour X raisons, vous n'avez pas eu, vous avez un trou dans votre compte bancaire et que le prélèvement arrive et il n'y a pas d'argent et que vous décédez, ben vous n'êtes pas assuré. D'accord. Est-ce que, monsieur Ndema Moussa, est-ce que vous avez déjà eu à proposer vos services auprès des associations à Paris? Parce que je pense que vous deviez peut-être souvent sensibiliser, je ne sais pas, peut-être. Passer de temps en temps dans les grandes associations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les réunions, les tontines,
Mais ils oublient que mais tu peux être dans une tontille et sucer ton assurance aussi. Ça n'a rien à voir à leur tontille. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que si par exemple une association vient en groupe, peut-être une association de 30 personnes, est-ce que ça revient moins cher à l'association? Pas forcément. On peut négocier un prix, un tarif, mais 30 personnes, c'est faible. Donc, c'est d'où il faut être un grand groupe. Je prends encore l'exemple de la diaspora positive. Si nous sommes 5 000, 6 000 et j'en passe, là, nous avons matière à imposer, à obliger l'assureur à nous donner des tarifs même à 30 euros l'année, par exemple. Mm-hmm. Parce que nous avons cette offre-là. Maintenant, la question que vous avez posée, est-ce que nous allons vers l'association? Oui, nous y allons. Mais nous avons porte close parce qu'elles estiment que la mort, c'est pour l'autre, c'est jamais pour eux. Et alors que si plus on est nombreux, nous sommes capables de vous de trouver à 30 euros l'année et, s'il vous plaît, sans condition d'âge. On peut même aller jusqu'à 85 ans. Donc, le cas de votre maman, par exemple, qui a 74 ans, ça entre bien dans cette formule-là. Mais quand il n'y a pas de nombre requis, malheureusement... Donc, si aujourd'hui, je viens inscrire ma mère dans la diaspora positive, au lieu qu'elle paye son âge, je paye son assurance à 450 euros l'année, je pourrais payer, par exemple, à combien? Mais si nous sommes... Bon, pour l'instant, la diaspora positive n'a pas encore atteint le quota de 5 000. Ça veut dire que pour l'instant, elle va payer le prix classique. Non. Donc, ça veut dire que nous devons battre campagne pour que nous soyons nombreux pour que ces assurances qu'on appelle assurances de prévoyance, aussi bien rapatriement que obstacle, nous coûtent le moins cher possible. Et je vous rassure et assure que si nous sommes au minimum 5 000, nous sommes capables de proposer 30 euros annuels. Est-ce qu'il faut forcément passer par une association, en fait? Est-ce que quelqu'un lambda peut venir sans passer, par exemple, si je ne veux pas faire partie de de la diaspora positive et que je sollicite M. Ndema pour souscrire mon assurance, est-ce que c'est possible? C'est possible, oui, parce que M. Ndema est une entité qui est NRG Global Solution, distincte de la diaspora positive. Global Solution n'est là que pour faciliter à la diaspora positive d'avoir des tarifs préférentiels. Mais monsieur ou madame lambda peut décider de ne pas adhérer. Tout le monde n'a pas vocation à adhérer à la diaspora positive. D'accord, très bien. Oui. Oui. Je ne sais pas si c'est... Peut-être je vous retiens. Hein. Non, ça ne me gêne pas, j'ai pris le temps pour ça. Ok, merci. Est-ce que pendant que quelqu'un est malade, est-ce que la personne peut souscrire une assurance? L'assurance appartement de corps ou bien garantie obsèque, il n'y a pas de problème médical. D'accord. Ok, très bien. Est exigé. Merci. Je pense que pour ma part, je suis satisfait. Je pense que je viendrai directement vous voir dès la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs assurances obsèques? Non. Il y a dans la prévoyance, il y a le rapatriement de corps qui est à part, la garantie obsèque qui est à part et le capital d'essai qu'on fait quasiment dans toutes nos associations. Quand tu décèdes, on donne 5 000, 10 000. Là, c'est le capital d'essai que vous pouvez également trouver dans les banques comme la Poste. Mais le rapatriement de corps, vous ne le trouverez pas à la banque, dans aucune banque. Oui. Vous trouverez la garantie obsèque dans toutes les banques et le capital d'essai que les gens confondent très souvent, capital d'essai et capital garantie obsèque. Ce sont des notions totalement distinctes et qui n'ont pas la même finalité. Capital d'essai, lorsque vous décédez, on donne à vos ayants droit un capital, très souvent après avoir soldé ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, donc ça peut mettre de 1 à 3 mois si tout est correct. Alors que la garantie obsèque, à l'instant T que vous décédez, la banque via ses filiales d'assurance prend le corps en charge. Idem pour le rapatriement de corps, les assureurs ou les courtiers d'assurance prennent en charge rapidement avec des billets d'avion qu'on donne même aux ayants droit pour accompagner le corps au Cameroun. D'accord. Je voulais aussi poser cette question-là. Alors, c'est en fait, il faut... Parce que, enfin, à l'époque, je connaissais une banque qui le faisait, donc il faut mettre... Oui, la BNP. Ouais. Donc, il y a des personnes qu'il faut mettre alors pour accompagner le corps, c'est ça? Oui, disons, ce n'est pas exigé à la souscription.
Mais comment c'est d'emblée que toute personne a des ayants droit? Lorsque survient le décès, les ayants droit se présentent. C'est eux qui viennent montrer avec le contrat souscrit par le défunt auprès de l'assureur, qui va donc demander à la famille de choisir un ayant droit. Généralement, c'est d'abord les enfants, c'est l'époux, et s'il n'y a pas les filles, l'un et l'autre ne sont pas là, ce sont les parents. Mais on trouvera toujours un ayant droit qui va accompagner la dépouille au Cameroun. Ah, super. Bon, je pense que les gens ont compris. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse, s'il vous plaît? 121 rue de Clignancourt, Paris 18. Ok, 121 rue de Clignancourt. Rue de Clignancourt, Paris 18. Et je réponds au 06 95 51 45 99. Très bien. Merci. C'est moi. 121 rue de Clignancourt, Monsieur Ndema, routier en assurance. Oui. Merci infiniment. C'est moi. Merci. Bonne soirée. Ah, pardon, monsieur Ndema, excusez-moi. Oui. J'ai une dernière question, pardon. Oui. Je ne sais pas si vous êtes, je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais j'avais envie de savoir combien, quel est le montant disponible déjà que les gens ont pu, sur les 5 000 euros, combien est déjà disponible en fait? Il y a combien? Au dernier nouvelle, c'était de 1 200 euros. Exactement, c'est ce que j'avais vend aussi. 1 200. D'accord, très donc, bien. Donc, grosso modo, 1 200 moins 5 000, reste 3 800. Merde, c'est pas possible. Voilà. Ok. Mais s'il vous plaît, j'insiste, chers Camerounais, Camerounaises, ne regardez pas le passé de cette dame. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, c'était décrit dans son livre de vie. Voyez ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire pour atténuer et apaiser la douleur et de sa maman, de sa famille. Voilà. Merci beaucoup. De moi. Merci. Bonne soirée, monsieur. De même, bonne soirée. Donc, vous avez écouté monsieur Ndema qui vient de parler, courtier en assurance, qui est situé au 121 rue de Clignancourt, Paris 18, dans le 18e arrondissement. Le numéro de téléphone 06 95 81 45 99, si j'ai bonne mémoire et si j'ai bien noté. Alors c'est ce qui est écrit. Alors je disais tantôt, comme l'a dit monsieur Ndema si bien, ne regardons pas le passé de cette fille, essayons de cotiser pour elle, pour que sa maman puisse recevoir le corps, parce que c'est une situation qui est ok. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Emile Lazare à l'appareil. Oui, vous êtes un peu dans un endroit, vous êtes dans une cave. Ouais, je suis dans une cave. Du shampoing au travail. Ah, vous êtes dans à la cave. Allô. Oui, là, vous m'écoutez bien. Oui, 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 très bien, oui. Oui, je suis Emile Lazare. J'appelle par rapport au problème, il faut intervenir au problème de la terre d'Ormuz. Bon, pour ceux qui me connaissent, d'Ormuz, c'est une connaissance. On a eu plus que la connaissance parce que on était ensemble. C'était une amie à moi, c'était une sœur, c'était ma copine. Depuis le Maroc, spécialement dans la zone de Tanger. Donc, ce qui fait que moi et Jean-Moun, on a partagé plein de choses, on s'est fait sans tout à fait de rien. Mais après quelques temps, on a décidé de voyager, on était mariés en France. Après, on s'est séparés, Et les gens pensent que. Excusez-moi, monsieur, mais avant toute chose, j'aimerais savoir combien vous cotisez pour. Combien vous donnez pour. Comme contribution. Moi déjà, je voudrais donner une contribution de moins de 500 euros. De combien? 500 euros. Ok, je note. Hein. Oui, vous notez. Ok, donc, monsieur Aimé donne 500 euros. Déjà, je voulais vraiment le faire depuis, mais je ne pouvais pas le faire parce que
toujours resté sédentaire dans un coin parce que, bon, je ne sais pas. Il est bien qu'on ait un forum où on a créé. Mais dans le forum, je ne peux pas me signaler parce que dans ce forum, on a un cœur au nom de Bilbao. Au nom de Bilbao, ça se confond, non, mais après, ça s'appelle Yolande. Oui. J'ai le forum. Et dans notre forum, les gens, j'ai vu, il n'y a que deux personnes qui ont donné, il y a elle, Yolande, avec une autre personne, qui ont donné presque 50 euros. Personne ne veut proposer. Je ne sais pas pourquoi. OK. Monsieur Aimé, excuse-moi, ce problème m'affecte personnellement. Ça m'affecte beaucoup, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas dormi de la nuit. Je pense que vous êtes la personne qui a Boza, excuse-moi de prononcer avec elle, parce que j'ai reçu une vidéo anonyme dans un bateau où tu es avec elle. Vous êtes en train de Boza le jour que vous êtes entré en Europe et j'ai eu vent que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as aidé à voyager depuis le Maroc. Oui, oui, oui. Que c'était ta copine. Oui. Ok, merci. Donc, je ne me suis pas trompée. Tu sais, dans votre forum, ce sont ses copines, c'est un forum du Maroc, c'est ça? Oui. Et ce sont ses copines qui marchaient avec elle au Maroc, qui ne veulent pas cotiser? Non. Là, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que ce ne sont pas ses copines avec qui marchaient au Maroc qui ne veulent pas cotiser. Au Baron, on était déjà comme une famille, on se connaissait tous. Oui. Parce que nous, on était là, on se levait le matin, le soir, on savait pourquoi on était là. Mais ceux qui ne veulent pas se connaître, c'est que tes copines aussi avaient une telle marque que je croisais beaucoup dans des restaurants. Parfois, quand je venais peut-être venir acheter à manger, j'arrêtais, je ne croisais pas dans des restaurants, ici avec une telle. Est-ce que le nom qu'elle a en France. Bon, je ne vais pas entrer dans ce détail. Est-ce que quand on dit. Janine, même les gens du Maroc savent qu'elle s'appelle comme ça. Oui. Ok, très bien, merci. Donc, vraiment, j'ai eu vent. Vraiment, merci pour ta contribution de 500 euros. Je te remercie de tout cœur. Ça montre vraiment que tu étais vraiment proche d'elle. Vraiment, merci encore, Aimé. Maintenant, j'ai des questions à te poser. Nous sommes en train de faire un live dont les gens recommandent de ne pas entrer dans sa vie privée. Dans sa vie du passé, mais on a envie de faire un tour dans son passé parce que c'est une personne qui a bien vécu et qui a eu de l'argent. Et nous sommes en train de réclamer son argent à une fille qui a détourné. Je vais vous donner le nom, vous allez me dire si un jour dans votre vie, vous avez déjà entendu parler de cette fille. Cette fille s'appelle Longo Mur, elle s'appelle Muriel et elle a un autre nom, Longo Esaïe, je ne sais pas comment elle s'appelle, une grosse fille comme ça. Est-ce que vous connaissez cette fille? Oui, je connais bien cette fille. Ah ouais. Pardon, dites-nous un peu là. Oui, vous allez m'excuser parce que là, déjà dans le live, vous avez dit que les gens ne veulent pas comment. Les gens, et c'est parce que vous êtes dans un endroit, on nous entend, que les gens ne veulent pas quoi? Oui. Vous m'avez dit les gens ne veulent pas qu'on entre dans sa vie privée dans le direct. Mm-hmm. Là, s'il faut que je parle d'Esaïe, de la fille en question, je serai obligé de parler de Janine aussi parce que je dois parler de la fille. La fille, je l'ai promis derrière Janine parce que Janine m'a appelé. Vous nous expliquez comment c'est passé. Janine m'a appelé une jour. C'était pour un service. Oui. Janine voulait que je l'envoie de l'argent au pays. Elle voulait envoyer de l'argent au pays. Donc, du coup, elle m'appelle et me demande comment est-ce que je peux le faire. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci, je vais l'envoyer combien. Elle me donne le montant. Elle voulait envoyer combien? C'était un montant de 350 000 francs. OK. Elle me donne le numéro avec le nom que j'envoie de l'argent au Cameroun. Est-ce que vous aviez un truc Orange Money? Je ne sais pas, vous avez un. Un endroit d'envoi. J'ai le numéro en question qui est là. C'est un numéro du Cameroun avec le nom tout. Je l'avais dans mes conversations avec elle et on a fait la transaction. Mm-hmm. Donc, j'ai fait l'envoi. C'est parti. Et quelques temps après, une semaine après, j'ai un ami au Cameroun qui faisait les gens voyager, qui les gens voyager, qui devait venir en France. Mm-hmm. Donc, mon ami m'appelle et me dit, est-ce que je n'ai pas quelqu'un par exemple pour te voir? Je dis à mon ami que bon, c'est pas grave, lui, il me demande. Donc, du coup, j'ai appelé Janine ce matin là pour savoir, parce qu'elle était déjà malade, pour savoir si elle allait bien et tout.
C'est là où je me dis que le problème me dit, ok, attends, j'ai quelqu'un que je sais que tu, je veux que tu fasses toi, je sais que tu es je dis que c'est bon, c'est là où on m'envoie les noms, la photo du passeport de la fille, on m'envoie aussi les photos, toutes les photos de la fille. Mm-hmm. Elle dit que oui, elle veut voyager pour qu'elle vienne en bon. Après, je dis, mais c'est ce soir, je demande à l'homme de mais après moi j'ai compris en fait je savais déjà et ta cause du ça je veux pas appeler le nom ta cause et ça pour moi et j'anime vraiment quand nous sommes arrivés j'ai découvert beaucoup de choses donc du coup j'étais un peu retiré j'ai essayé de compter j'anime tout ce côté là vraiment tu as déjà un enfant il faut penser à l'éducation de ton enfant vraiment et puis toutes ces choses là il faut arrêter et tout donc. Après, quand quelqu'un choisit sa vie, vous ne pouvez pas sortir. Non, même si elle a choisi cette vie, c'est sa vie, mais ça ne l'empêchait pas de s'occuper de son enfant. Pourquoi quand tu trouves le réseau, tu ne lui dis pas que fais venir plutôt ta première fille que tu as laissée au Cameroun au lieu de faire venir ton conjoint, je ne sais pas, le gars. Je vous explique pourquoi. Parce que Janine, elle avait promis à arrêter à elle. Moi, déjà, quand j'ai connu Janine au Maroc, elle m'avait dit, elle m'avait monté les coups, même les papiers. Au Cameroun, moi je te dis à Jamie, je dis ça arrive à l'heure de faire savoir que toi, c'est venir ta fille parce que ta fille bientôt c'est une grande fille. Elle va te dire aujourd'hui, vu tout son environnement, nous savons déjà quoi, quand tu as déjà une fille à tes côtés, qui est déjà grande, qui peut t'aider aussi avec ton petit frère, même s'il faut que tu ailles travailler, vraiment ça va t'aider. Mm-hmm. Tu vois, donc elle me disait toujours non, laser, j'ai compris, je veux voir comment on va, je veux savoir, j'ai compris. Mais elle avait déjà solidaire avec elle, mais vous ne pouvez pas porter quelqu'un à faire un truc. Sans entrer dans le détail, c'est pas pour blesser sa famille, puisque cette fille-là qui est arrivée et qui a fui au bout de 6 mois dit que ce n'est pas. Janine l'a aidée, ne l'a pas fait voyager. Est-ce, comme c'est toi qui as trouvé le réseau, est-ce que c'est Janine qui a tout payé? Bon, en fait, le réseau, je vous explique, hein. Je ne peux pas justifier. C'est Janine qui a tout payé parce que moi, à ce que je sache, cette fille recevait de l'argent de Janine depuis le Cameroun. Ça, Janine me l'a dit personnellement. Je ne veux pas mentir sur cette fille, je veux mentir sur quelqu'un parce que déjà je veux rien gagner. Je n'ai rien à gagner dans cette chose, je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas pourquoi je veux mentir sur quelqu'un que je ne connais pas, que je connais comme ça. Cette fille, je dis bien, Janine envoyait de l'argent au Cameroun. Et je peux vous dire encore, je peux vous rassurer, à moi personnellement, Janine m'a dit qu'il y avait qu'elle faisait de l'usure au Cameroun. Waouh! Mais la fille, elle l'a eu. Janine faisait de l'usure, donc il y avait de l'argent qui coûtait du prix pour la fille récupérer au Cameroun. Et c'est que l'argent qui était placé. Donc je ne sais pas si vraiment la personne au Cameroun, la fille, en se placée cet argent, ou elle ne plaçait pas, je ne sais pas. Donc, on récapitule. Donc, Janine envoyait beaucoup d'argent au pays parce qu'à toi, elle te disait qu'elle fait l'usure au Cameroun. Et c'est cette fille-là, de Muriel Longo, qui recevait cet argent et plaçait en usure. Ouais. Incroyable. Incroyable. C'est terrible. C'est terrible. C'est grave. C'est très grave parce que cette fille... Elle dit qu'elle n'a rien, qu'elle va contribuer que 100 euros. Et elle a, ça dit que, elle n'en a rien à foutre en fait. Moi j'ai reçu son passeport, j'ai reçu son identité. Là où elle est là, elle a pris l'argent à Janine il y a 2 mois. Un virement de 800 euros. Là où elle est là, elle nous suit. Si elle ne remet pas l'argent de cette fille, elle va rentrer au Cameroun. On va gâter son Gunda, on va gâter son Kaolo. Oui. Parce qu'elle veut montrer qu'elle est méchante. Quelqu'un te fait venir du Cameroun jusqu'en France, tu la tues à petit feu et tu fuis. Tu pars avec tout. Donc, Janine a tout perdu. Et elle a entendu qu'elle donne que 100 euros. Et elle est là. Excusez-moi du thème. C'est que je peux commencer. Après, il est bien fait. On est dans l'urgence. Elle est dans l'urgence. Mais je ne peux pas.
la fille avait, elle, décidé, les idées qu'elle a en ce moment. Et on dit dans la vie, tout est fait ici, par le calme, personne n'échappe. Tu veux, tu prends, tu veux, tu payes, tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est toi avec le bon Dieu. Mais là, nous sommes dans une jambe. C'est bien beau, elle va dire, elle va donner ça à un rouge. Mais il y a déjà, comme tu me dis, moi, c'est une information que je ne suis même pas au courant. Elle a reçu un jugement de 800 euros. Oui, j'ai reçu le papier il y a 2 mois. Voilà. Cet argent est parti où? Elle recevait comme ça tous les mois, Janine, avec les allocations familiales de 1100 euros qui venaient sur son compte. Et c'est cette fille qui raclait tout. Non, mais il faut que les Camerounais, gars, vous êtes des hommes, il faut qu'on aille à Toulouse, je ne sais pas. Il faut qu'on aille là où la fille la vit dans un foyer. Quand elle donne l'argent, on enterre l'enfant, c'est avec nous. Elle va vous dire, on dit, elle dit, on est à Toulouse, est-ce qu'on connaît où à Toulouse? Même s'il faut connaître l'endroit où à Toulouse. Mais il y a quand même les gars à Paris, il faut qu'elle remette l'argent. C'est ça. Mais s'il faut qu'elle remette l'argent, tu as eu à poser avec elle, je ne sais pas. Elle a dit qu'elle ne peut pas donner ça. Lise Sophia Brenda, tu n'as pas encore cotisé depuis. Tu ne fais que dire que. Si elle dit qu'elle va donner ça en haut, c'est pas grave. Et qu'elle va donner directement à la famille, gars. Une fille qui a mangé l'argent de quelqu'un des millions et des millions. 100 euros, c'est quoi? C'est une insulte vis-à-vis de cette famille. C'est une moquerie. Elle dit qu'elle va donner à la famille. Il n'y a pas de justification. Il n'y a rien qui lui. Moi, je veux qu'elle rembourse les 800 euros qu'elle a pris il y a quelques mois. Je vais la rappeler après. Bon, les 8 euros qu'elle dit, elle n'a pas dit pourquoi les 8 euros. Elle dit que c'était pour les besoins personnels, pour acheter la greffe, les perruques, les choses de Nyanga à Janine. Bon, oui, elle a acheté les choses, elle a le renvoi à Janine. On a ouvert la maison de Janine, on m'a envoyé les vidéos, il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a vraiment rien de bon. La seule chose même qu'on peut placer, c'est la télé. C'est tout. Parce que la fille me disait comment Janie avait meublé sa maison à 5000 euros. Moi, je me disais que non. On peut vendre, même comme on est dans l'urgence, on peut vendre aux gens qui avoir les choses au Cameroun. Il y a des gens qui vont acheter. Mais le problème, c'est qu'on m'a envoyé la vidéo et il n'y a rien de bon. Même les sacs à main de Janie, la fille a tout volé. Les sacs de valeur. La montre qu'elle disait qu'une montre de valeur, aujourd'hui j'ai demandé, on m'a envoyé la photo, je suis allé demander là où on revend les trucs. C'était une montre Hugo Boss, on m'a dit que ça coûte 4, qu'on va donner que 80 euros. À la base, elle coûte 400 euros. Et comment on appelle, tu vois les gens qui rachètent les bijoux là? Oui. Ils ont dit qu'ils vont racheter à 80 euros. Et j'ai dit que ça ne sert à rien, on laisse cette montre, quand son fils va grandir, on remet à son fils, ça ne sert à rien. Quelque chose de 400 euros, on achète à 80 euros. Donc, franchement, quoi. Je ne comprends pas. Je suis vraiment dépassé. Moi, je suis dépassé parce que je suis dans mon peuple, parce que je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Parce que ce problème a été tiré de tous les points, en fait. Non, sa mère a besoin vraiment. Il faut qu'on fasse tout pour que sa mère reçoive. Ce n'est pas pour elle qu'on fait, mais pour sa mère. Pour que sa mère enterre son enfant dignement. Pour qu'elle libère même les gens au village. Parce qu'il y a des gens au village, à Yaoundé, partout, qui pleurent le deuil. Et tant que le corps n'est pas arrivé, vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Qu'on libère les gens. Il faut que son corps arrive pour que cette maman au moins puisse dormir. Parce que c'est pas évident, c'est dur pour eux. Très, très dur. Très, très dur. Dis-moi, papa, comment demain tu seras à la veillée, non? Les 500 euros, là, tu vas remettre ça, comment? Déjà, moi, les 500 euros, moi, je les avais déjà placés au niveau du Cameroun. Parce que j'ai eu un contact au Cameroun où 300 euros nous sont placés dans un orange de monnaie. Mais comme on est dans une urgence, je vais essayer de faire à côté de 500 euros au moins. Donc, tu vas remettre les 500 euros ici, c'est ça, non? Oui, il faut que je fasse, je les fasse remonter à partir d'ici. Non, il n'y a rien à donner au Cameroun, papa. Les gens du Cameroun, non. Ils peuvent faire le deuil même avec le maïs bouilli. Là, maintenant, l'urgence, c'est de rapatrier son corps. Il n'y a pas, il n'y a pas l'argent à donner pour qu'on aille boire le vin au village avec. Là, maintenant, on peut l'enterrer. Il y a la veillée demain.
D'accord. Donc, je te rappelle alors, je vais te rappeler demain, non, pour qu'on voie comment on ne va pas remettre l'argent là entre les mains. Je vais t'expliquer un peu. Il y a un truc qu'il va falloir qu'on définisse. Je comprends, il n'y a pas de souci. D'accord, père, merci. Désolé encore, hein, parce que il a dit qu'il donne 500 euros. Il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô? 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 Allô, ma enfant? Oui? Oui, c'est un abeille depuis le Gabon. Oui, ma grande. Abeille de la diaspora. Ah, merci, chérie. Voilà, ma enfant, c'est pour donner mon avis par rapport à l'affaire. Oui, maman, tu donnes combien? Tu cotises combien avant de donner ton avis? Ah, ma, je vais faire le Orange Money. Oui, tu peux le faire maintenant. Oui, après, dès que je finis, après le direct. D'accord, tu vas donner combien, s'il te plaît, chérie? Donc, je disais, ma femme, tu vas donner combien de voir au niveau de l'ambassade. Dis-moi, ma grande, tu vas donner combien? On n'est pas assis là parce qu'on n'a pas vu à l'ambassade. Dis-moi, tu vas donner Orange Money combien? On parle d'abord d'argent, après on 10 000, 10 000, ma femme, 10 000. Ma, tu ne peux pas donner même 20 000, ma soeur. Ouais. C'est quand même au Gabon. Non, c'est faux, moi, c'est faux. Merci, chérie. 10 000, ok, tu mets dans mon Orange Money, non? D'accord. Ok, ma, on t'écoute maintenant. Donc, je disais que est-ce que ce n'est pas possible? Parce que franchement, la maman là m'a fait couler les larmes quand elle parlait au téléphone tout à l'heure. Elle m'a fait couler les larmes, ma faux. Donc, est-ce que, au vu de la situation, est-ce que ce n'est pas possible d'aller voir l'ambassade du Cameroun en France? Donc, tu penses que, excuse-moi, ma grande, tu penses que là où on est assis là, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a fait, ce qu'on vient de s'assurer, tu penses que à tout ça là, on n'est pas passé à l'ambassade? Non, je vais juste te poser la question. Tu penses qu'on vient taper les mains sur Facebook comme ça là? Tu penses qu'on n'est pas passé à l'ambassade? L'ambassade du Cameroun a dit qu'ils ne peuvent rien faire, qu'il faut aller voir avec les pompes funèbres. Vous croyez que si c'était ça, c'est que tous ceux qui meurent là, on ne peut pas voir l'ambassade. L'ambassade aussi est en déficit. L'ambassade a besoin d'argent. Il faut comprendre ça. Je ne sais pas comment. Je ne voulais même pas parler. L'ambassade aussi a besoin d'argent. Ou l'ambassade est là. Donc l'ambassade ne peut rien donner. Je ne sais pas si tu as compris. Allô? Oui, l'ambassade a dit qu'il faut aller voir avec les pompes funèbres, ils ne peuvent rien faire. Le seul papier qu'ils vont délivrer, c'est le papier là qu'on donne souvent là. C'est tout. Et encore, si on ne demande même pas 15 euros, 20 euros pour délivrer le papier, c'est pas, je ne vais pas parler les choses. Je suis française, moi. Je suis française. Longo Muriel rembourse son agent. Il faut rembourser. Je sais qu'elle est en direct. Sinon, on va aller l'attraper là-bas. J'ai dit que son Kaolo, j'ai déjà son Kaolo. Elle va battre. Elle va battre. Je prends la veuve. Hein. Je prends quelqu'un d'autre. Oui, allô? Allô? Coucou. Coucou la veuve, c'est comment? Warios. Oui, ça va, je te suis le prix. Oui, Warios. C'est comment t'es Warios, on les a cotisé combien? Oui, ça va, je te suis le prix. Oui, Warios. C'est comment t'es Warios, on les a cotisé combien? Tout est parfait. Mais pourquoi ça crie comme ça? Non, c'est parce que tu es à côté direct. Quitte le direct d'abord. Il y a un direct à côté de toi. Quitte le direct. Ah, ouais. Oui. Donc je rappelle. Hein? Non, quitte le direct. Ne regarde plus le direct. Je veux d'abord baisser. Je dois baisser. Oui, baisse. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est super. Oui, Warios, c'est comment? Donc là, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Vos oreilles de quoi? Quand c'est la wave, vous commencez seulement à rire. Non, la wave, ne lis pas les commentaires. Causons normal, non. Ne regarde pas les commentaires. Comme ça, on continue, non.
Grand Cam. Oui. Au début de cette histoire, j'ai demandé, parce qu'au début, il y avait déjà un groupe. Après, ils ont créé un autre groupe. Là-bas, au début, j'ai demandé à la dame, je ne sais pas qui. Moi, je n'étais pas là-bas, tu le sais, non? Que moi, je n'étais pas là-bas. Non, je ne connaissais non. pas. J'ai demandé qu'ils partent à l'ambassade. La dame a dit que le père de l'enfant est parti à l'ambassade. L'ambassade a dit qu'ils ne peuvent rien faire. L'ambassade a dit qu'il faut aller payer les pompes funèbres, le montant qu'on demande. Et on revient vers eux, ils donnent le papier pour rapatrier, non? Ils délivrent les documents. Ah bon? Que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. L'histoire, c'est trop grave. En tout cas, c'est votre Warus. Donc, s'il vous plaît, les Warus, les abeilles, les pédigistes, s'il vous plaît. C'est grave. On n'avait pas encore atteint. On est à 1000 combien? Où c'est 1500? 1200. 1200 dans le. Dans le cahier. Le corps doit partir. Hey! La diaspora. La diaspora. Ça. Wow, j'ai vu, tu as donné 100 euros là-bas dans le groupe, non? Moi-même, je donne 100 euros. Okay. Et tes Warriors sont cotisés combien? Les quoi? Tes Warriors. Ah bon, hein? Ils donnent souvent quelque chose. Je t'avais dit que ce sont les Warriors. Ils n'ont rien. Les Warriors, ce sont mes Warriors à moi. Mais ils sont gentils. Ils ont là cotisé pour la cuisine. Il y en a combien dans la caisse de la cuisine? Pourquoi tu veux savoir? Parce que moi-même, je vais cotiser. C'est comment? Obligé? Oui, dis-moi non. Non, je ne te dis pas. Mais là-haut. Je ne te dis pas. Bon, dans l'argent de la cuisine, là, on fait le deuil avec. Dans l'argent de la cuisine, on fait le deuil avec. Après, je demande aux abeilles, on te cotise. Que quoi? Même les 100 euros que j'ai donné là, tu sais comment ça va coûter? Mince. T'adores les 100 euros là. La veuve, tu sais que ce qui est bien, c'est que tu cotises toujours quand il y a des choses. Pour ça, oui, vraiment, toujours. Tu donnes toujours. Oui. Tu donnes toujours quand il y a quelque chose. Vraiment, merci pour ça parce que tu es quelqu'un de bien. Je te le dis pas parce que tu es quelqu'un qui sait assister. Hein. Même comme tu as la grande gueule, même comme tu. Franchement, mais tu es quelqu'un qui sait assister. Même comme derrière, quand il faut laver, tu laves. Mais tu sais assister. Mais, quand tu es dans la diaspora positive, votre chose là avec. Ouais, comment tu dis que. Babouza. Inscris-toi là-bas, non? Il a dit qu'il ne me veut pas là-bas. Non, tu as bien parlé aujourd'hui avec lui au téléphone. Comment tu peux dire qu'il t'a dit qu'il ne te veut pas? Il a dit qu'il ne peut pas me prendre là-bas parce que les ennemis sont là-bas. Non, il ne peut pas. Babouza me l'a dit, ouais. Oh. Ok, la veuve, laisse, on continue la cotisation, non? On est déjà en train de. Je suis là, j'écoute. D'accord, ça marche. Alors, merci à la veuve d'avoir appelé et merci à la veuve d'avoir donné 100 goma. Donc, les 100 goma de la veuve, je ne compte pas celle-ci. C'est dans le cahier du groupe là-bas. Les 100 goma de la veuve. Je vais reprendre. On va reprendre son histoire parce que moi, je ne vais pas m'asseoir comme ça en live sans rien dire. Ça va servir à quoi? Il faut bien causer pour que ça motive. Alors, on va refaire le recap. Je vais vous dire combien il y a déjà dans le PayPal. Dans le PayPal. Je vais vous dire combien il y a dans le PayPal. Hop là, comment je... Quelqu'un cotise dans le PayPal là. Cotiser dans le PayPal, non, les cœurs. Alors,
Vous savez que manipuler l'iPhone, non. C'est pour ça qu'il y a toujours deux téléphones. Attendez. Oh, utilisez l'affaire si. Je voulais vous dire combien il y a déjà dans le PayPal. Attendez, je vais sur normalement. On fait comment mais... numéro de transaction. Attendez. Oh. Si je vous dis que c'est utiliser l'affaire, sinon, c'est que je vous mens. Je ne sais même pas comment on manipule. Ouf. C'est dans mon autre téléphone que j'essaie d'utiliser. Pardon, cotiser, s'il vous plaît. Oui, tonton Guizot de Paris, papa n'a 150 euros. 150 euros. Opi, me Yahweh. Opi, maman, opi. Mache pour monsieur Yahweh. Attends, je chante d'abord Guizot. Pour t'accueillir, on chante d'abord pour accueillir tonton Guizot. On a mis le PayPal, non? Vous ne faites que dire qu'épingler. On n'a pas écrit ça sur le titre. Administrateur, pardon, mets le PayPal. Le PayPal, c'est flormagina@gmail.com. Pardon. Opi, me Yahweh. Opi, maman, opi, ma chèpoua, merci Yahweh. Maïe te rate, mon bouan, maïe te rate, mon bouan, diye, dit, non, te m'en. Papa, le tonton des abeilles choux. Quand tu chantes pour moi, quand tu chantes sur moi comme ça, ça veut dire que tu es en train de ma petite capote, comment tu vas bien m'arnaquer la tête. Je t'ai dit que quand je chante pour toi comme ça, mon cœur sucre, tu sais que tu es un gars qui pouvait même m'arrêter, non, tonton Guizot. Mais seulement comme tu aimes les femmes qui sont trop, trop bien. Tu aimes les femmes qui sont trop, trop bien. Normalement, non. Tu es ma personne qui te prend. Je te prends et te mets à la maison et te fais pas ramper. Hein. Je te respecte parce que tu es un gars qui travaille. Je ne gère pas les choses avec les gars qui zappent la télé, là, les gigolos. Là. Tu es un gars, un travailleur, Guizot. Et tu sais que quand il va aller au pays, il va aller saluer ta mère, non? On va se tamponner là-bas. D'accord, mon bébé. Pardon, mon père. Ok, mon père, tu donnes combien alors pour ta soeur si qui est partie si jeune? Attends, je ne comprends pas. Depuis, je vois là, je vois qui est en train de faire la cotisation. C'est pourquoi encore? Non, il y a quelqu'un qui est décédé à Paris, Guizot. Il y a une soeur à nous qui est morte. Une de tes soeurs même qui t'aimait beaucoup. Quand tu étais en direct. Ouais, Guizot. Attends, c'est une Camerounaise. Oui, c'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise. Oui. Mais je dis, la Nessie, c'est quoi là? C'est quoi chez vous? La Nessie, c'est quoi? La Nessie, c'est ici, c'est même pas ivoirien, c'est camerounais. Ouais, ton. Comme des pigeons, c'est quoi? Ouais, tonton Guizot, c'est comment, non, papa? Tu es au work? Je suis au travail là. Ouais. C'est quoi? C'est quoi ton camerounais qui est encore décédé là? Ouais, tonton Guizot, est-ce qu'on va encore commencer à trop parler par rapport à ça? C'est une jeune femme de 40 ans qui est décédée. Ouais, voilà, la viande qui est partie. Ouais, tu donnes alors combien pour la viande qui est partie? Pour l'ONGI. Et c'était le genre de femme que tu aimais beaucoup, hein? La qualité qui est bien, bien plein. Qui est trop, trop bien. Ouais. Papa, tu donnes alors combien? Ouais, papa Guizot. Pardon. La vie, c'est temps. Ouais, laisse d'abord la veiller, Guizot. Donne alors ce que tu vas donner maintenant. Est-ce qu'on a te. Regarde, ça met pleure. Si je dis le montant devant tes enfants, là, ils vont m'insulter. Ils vont pas t'insulter. Guizot, tu donnes ce que... Un vrai homme est celui qui donne ce qu'il a. On ne veut pas quelqu'un qui va promettre, il va pas... Tu es un vrai homme, tu es un contenant. Ce n'est pas les... Je te connais, non, Guizot? N'est-ce pas... On est décédé où, ici? Oui, ici à Paris, à Kremlin-Bicêtre. Ah, d'accord. Je t'ai dit. Je veux d'abord souhaiter tous mes condoléances à sa famille. Et je vois que c'est pour rapatrier le corps. Oui, c'est ça. Bon, pour moi, vraiment, je peux donner 100 000 francs. 150 euros. Ouais. Merci, papa. Applaudis. On a applaudi pour qui? Pour qui? Pour qui? Là, comment il balance mes nibas pour toi? On a applaudi pour qui? Pour papa Guizot. Tu m'appelles demain. Comme je suis au travail, demain, je ne travaille pas. Tu m'appelles demain. Je ne sais pas où on va se voir. Oui. Je donne ça. D'accord, mon bébé. D'accord, mon père. D'accord, mon père. Ok, merci. Tu es ma personne, sinon. On applaudit pour qui? Ça fait 155 euros, 100 000 francs, papa Guizot. Il n'y a pas de souci.
Anna, merci. Je te fais des gros bisous partout, partout. Oh. Merci à toi aussi. Oui, gros, gros bisous partout, partout. Mmh. Bonjour, ma faute. Je vais cotiser 30 000. Je suis abeille de Londres. 30 000. Ok. Oui, allô, chérie. Oui, Abel de Londres. J'espère que tu vas bien, maman. Pardon, il faut aider votre soeur. Tu dis que tu vas cotiser 30 000. Maman, cotise alors 40 000, non? Comme ça que même, tu sais que quand il y a deuil comme ça, là, ce que va me donner, tu vas me donner là, c'est ce qu'elle va envoyer à sa mère. Parce que, sur Orange Money, là, pardon. Parce que sa mère va arriver au village, là. Si elle ne peut pas même pas. Et il y a quelqu'un qui appelle. 30 000. Ok, envoie, mets sur mon Orange Money du Cameroun là tout de suite, à Baie de Londres, s'il te plaît, 30 000 francs CFA. Ok, 30 000. Oh. Oui, allô? Oui, monsieur le président. Allô? Oui, monsieur le président. Allô? Oui, oui, son excellence. Attends, je coupe. Oui, tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends très bien. Oui, je voulais couper le direct. Oui, voilà. Oui, on t'écoute. Oui. Si je voulais intervenir plus tôt, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris que... Parce que quand quelqu'un demande que la veillée, c'est quand? La veillée, c'est vendredi. Et cette veillée ne peut pas nous aider pour l'argent qu'on cherche là. Il faut faire comprendre à tout le monde si les gens sont en train de me comprendre, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Cette veillée, c'est vendredi. Mais, j'aurais souhaité que tu mettes encore le voice que j'ai parlé avec l'hôpital. Lundi, c'est pour qu'on vienne à 8 heures prendre le corps. Alors, ce qui fait que vendredi avant 17h30, que le pont fenêtre ferme, on doit déposer cet argent et qu'ils vont appeler l'hôpital, envoyer tout le papier que nous, on vient. Donc, vendredi soir, c'est la veillée. Si on a cet argent plutôt vendredi soir que le pont fenêtre n'a pas appelé, le matin, dès que l'hôpital ouvre, ils vont appeler la mairie. Je crois que tu peux encore écouter le voice. Oui, il ne faut pas qu'on parle en parabole. Monsieur le président Harry Mamouza, tu sais que dans les situations comme ça, on ne parle pas. Il faut parler terre à terre pour que tout le monde comprenne. Le pompe funèbre, ils ont dit que si lundi, si vendredi, on ne paye pas, lundi, la mairie prend le corps pour aller enterrer dans les pompes funèbres. C'est ça, non? Non, ce n'est pas le pompe funèbre. Le pompe funèbre, c'est ce qu'on va aller lui donner l'argent. Ils vont, ce sont eux qui font. Ils vont faire tout le papier. Comme j'ai pu, avec M. Dema, obtenir un pompe funèbre qui est moins cher de 900 euros, moins de 5 600, qui est maintenant, donc, c'est 4 700 qu'on veut. Vendredi avant 17 heures. L'hôpital que j'ai parlé, là où se trouve le corps, ce sont eux que le délai était dépassé. Il n'y avait personne qui avait pris l'engagement. C'est mon coup de fil. Aujourd'hui, vous avez compris comment la dame dit. Il n'y avait personne qui avait pris l'engagement. Rien signé. Alors, est-ce que vous êtes... On peut donner encore une semaine, comme vous demandez, comme je demandais. J'ai dit oui, je prends l'engagement. Sinon, même aujourd'hui, ou demain, ils étaient là, ils attendaient parce qu'ils avaient déjà appelé la mairie de Paris qui avait fait le papier pour attendre seulement passer n'importe quand pour prendre le corps ou aller enterrer. Sans avertir à personne. Donc, j'ai pris l'engagement que vendredi avant 17 heures, le pont fenêtre vont l'appeler, la morgue pour dire. Président, pardon, monsieur le président, vous êtes le président de la diaspora. Oui. La diaspora positive donne combien pour. Donne combien? Oui, j'ai rendez-vous. Demain soir. Non, je dis que vous, la diaspora, combien vous donnez de vos poches de la diaspora? Non, de la poche de la diaspora positive, nous,
On a rendu rendez-vous, j'ai convoqué en réunion au bureau demain soir au bureau de la diaspora positive. D'accord. Alors, et j'ai convoqué en réunion d'urgence, un meeting au restaurant Le Chicago, là où se trouve le cahier. Mmh. Pour que jeudi, tout, nous tous, on se retrouve là-bas jeudi. Parce qu'on est en... Au restaurant Le Chicago, actuellement, il y a combien dans le cahier? Et voilà, j'ai pu obtenir le montant, c'est 1550. Le montant qui est là-bas dans le cahier, c'est ça? Okay, oui. Qui est déjà disponible dans le cahier? C'est 1550. Ok. Donc, dans le cahier, sur, c'est 1550. J'ai envoyé Bibi Chantanakou. Elle est partie là, ce soir. J'ai dit de faire le compte. Il a fait le compte. Il m'a fait le compte rendu. Mm-hmm. C'est 1550 qui est déjà en main là-bas. Ok, d'accord, très bien. Et j'ai donné l'automatum que, parce que moi j'ai pris un engagement que je ne veux pas me reculer. Que, parce que apparemment, le gars Samuel voulait passer là-bas demain pour récupérer 300 pour aller payer la salle. J'ai dit non. Je lui ai dit ce matin que lui, cette salle qui coûte 400, c'est lui le père de l'enfant. Comme il dit qu'il a avancé 100 euros, il doit tout faire pour compléter pour la salle-là. Je ne veux pas qu'on touche encore. Je l'ai eu ce soir, il m'a dit que c'est lui qui a payé la salle 400 euros. Oui, eh bien, il dit qu'il a payé, il n'a pas encore payé, il a avancé. Ce matin, il m'a dit qu'il a avancé. Sauf si, depuis 11 heures que je lui ai dit qu'il ne touche pas. J'ai déjà dit que s'il passe là-bas, on ne donne pas 1 euro. Je lui ai dit que c'est lui qui doit payer. J'ai même une question, présent Henri Mamouza. Dans tout ça, moi, je veux savoir, il faut qu'il y ait la clarté. Oui. L'argent qu'on va cotiser là, que ça soit à la veillée, disons déjà l'argent de la veillée qu'on va cotiser, on va faire quoi avec? C'est pour donner à qui? On va donner à qui? L'argent, bonne question. Hein? Mm-hmm. La veillée était programmé, c'était pour avoir de l'argent pour ces fonds, pour payer pour ces corps. On n'est pas sûr si vendredi à 17h, avant la veille du soir, on aura cet argent. Mais, et ça c'est une bonne question, que vendredi, mardi, on doit tirer une conclusion. Non. Monsieur Henri Mamouza, voilà ma proposition. Oui. Voilà ma proposition. L'argent, oui. On va faire le deuil, ce deuil-ci qu'on va faire là. Que chacun vienne avec sa bière. Ne faisons pas comme le deuil de Céline la doyenne, que les gens ont coté 20 000 euros, ils ont mangé encore tout. Non, donc, papa, pardon, excuse-moi, nous sommes dans un cas d'urgence où on a besoin d'argent. Donc, il faut que l'argent qu'on va coter avec, même si c'est 2 000 euros, même si c'est 500 euros, on envoie tout ça à la mère. Non, écoute bien. Moi, si c'est pas pour envoyer la mère, moi, je ne donne pas. Non, écoutez. Oui, si c'est pour tourner que on va boire encore la bière dans la salle avec, moi, je ne donne pas. Flore, toi, tu connais, moi, je ne suis pas. Non, papa, parce que la mère est au pays. Moi, je dis seulement ma part. Moi, j'ai posé une question claire. Ça, l'argent de la veillée qu'on va cotiser, on va donner à qui? Moi, c'est ma question. J'ai dit que c'est pour ça que j'ai convoqué en réunion que tout le monde, sans exception, se retrouve au restaurant de Chicago. Je remercie la dame, elle a donné son restaurant pour sa réunion le jeudi à 19h. Là-bas, je veux faire un bureau de gens qui doivent être là. Un centime de la veillée, on ne remet à personne. Ça va aller au Cameroun. Cette fille qui est morte, elle a un enfant au Cameroun. Oui. Elle a sa maman au Cameroun. Oui. Quand j'entends la maman là, comment elle pleure, je commence à pleurer ici. J'ai ma maman qui est au Cameroun. Alors, je vois le cas de cette maman qui pleure. Parce que quand elle était ici, quand j'en ai été vivant, chaque mois, c'est sûr, ma fille, envoie-moi ça. J'entends même qu'elle est diabétique comme moi. Alors, je prends l'exemple de ma mère. Ma mère est là, chaque mois, il faut que je l'envoie de l'argent. Quand on m'appelle, m'envoie l'argent. Si je meurs aujourd'hui, qui va s'occuper? C'est qu'elle va mourir le lendemain. Donc, je ne peux pas accepter que
il y a un centime et qu'on donne à quelqu'un ici à Paris. Jamais. Je dis ceci. Même pour la nourriture, j'ai donné l'automatum aujourd'hui. Quand chacun apporte ce qu'il peut, volontaire. Si quelqu'un veut apporter les ailes de poulet et de l'eau, on n'est pas tenté d'aller en mariage, on n'est pas tenté d'aller à un anniversaire. Là où on doit se saouler la gueule. Les gens, le but de cette veillée, c'est pour récolter de l'argent. C'est tout. Tous les gens qui m'appellent aujourd'hui, je dis, comme toi là, que tout cotise combien. Ne me parlez pas qu'on parle du Congo, ça de mon nom, ceci. Je dis, ce n'est pas moi, ce n'est pas ça que je veux entendre. Tout ce que je veux entendre est que je donne mes 50 euros, je donne 100 euros. Comme notre frère qui vient de dire qu'il donne 500 euros, c'est ça que je veux entendre. Pour qu'on a d'abord ces 4500 d'abord. C'est ça qui est maintenant à la une. C'est ça l'urgence qu'on a maintenant. Je me lève tout le jour pour appeler. Mais présent Henri Marmouza, est-ce que tu garantis, parce que les gens nous suivent, est-ce que tu garantis que après le rapatriement de corps, si on y arrive, bien sûr, même s'il reste 100 euros ou 200 euros, tout cet argent ira à sa mère parce que l'enfant qui est majeur vit avec sa maman. Est-ce que tu garantis ici que le reste d'argent, que ce soit même 50 ou 20 euros, ça ira directement à la maman de Janine? Je parle dans le monde entier, m'écoute. Je crois qu'il doit y avoir dans les 2000 personnes, 3000 qui m'écoutent. Pour ceux qui me connaissent, je dis et je garantis, comme la même chose que je suis porté garant, c'est qu'on doit aller au Cameroun depuis deux jours, que si après que le corps a réussi notre objectif de 4700, maintenant le reste d'argent, je veux faire, il faut le bureau, il faut les gens, minimum 4 personnes, toi tu seras parmi. Pour envoyer cet argent, maintenant, on n'a pas besoin d'envoyer par Western Union aussi, il y a le money, Orange Money. Là, à la sœur, la petite sœur qui avait la maman, on envoie, si ce n'est pas son nom, j'ai déjà son nom ici, et son numéro de téléphone. Mm-hmm. Si ce n'est pas son nom, je n'envoie rien. La petite sœur de Janine qui est là, qui va s'occuper de l'enfant et la mère. D'accord. Donc, il n'y a pas question que quelqu'un ici en France me parle qu'on va donner ça ici. Non. Depuis dans la journée, j'ai déjà dit, mon problème, c'est le corps là pour que ça parte au Cameroun. La veillée, on ne vient pas la veillée pour venir saouler la gueule. Non. Ce n'est pas l'anniversaire, ce n'est pas le mariage. Donc, si quelqu'un vient me marier sa bière en poche, on va venir boire. Là, ceux qui sont portés d'argent qui vont faire le beignet, tout ça, les ailes de poulet, ça dit, il y a les femmes, Bibi Jakarakou, à tous ces noms de filles-là. J'ai dit qu'on n'enlève rien sur le 1500 là qu'on va payer. Même d'accord, moi je suis d'accord qu'on n'enlève rien, que chacun vienne avec sa bouteille d'eau. J'ai déjà dit dans la journée. D'accord, non c'est bon, président, on continue à faire cotiser les gens, mon président. On continue. Oui, on continue, merci. Voilà, c'est le président Henri Marmouza, le président de la diaspora positive. Vous savez, on ne coupe pas un président comme ça. Notre objectif ce soir, c'est de recevoir l'argent pour... il y a une personne... donnez-moi mon numéro, Orange Money du Cameroun, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut envoyer l'argent. Je dois donner à deux personnes. Oui, bonjour ma grande, je t'envoie ça tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut me donner mon numéro Orange Money du Cameroun? Attendez, je vais regarder. Il y a quelqu'un au Gabon qui donne 10 000. Après, on va calculer tous ensemble. Hein. On est encore là. Est-ce que ça fait une heure qu'on est en direct? On va... il y a quelqu'un qui voulait... Alors, on fait comment? Pardon. Vous avez dit que votre affaire de téléphone, si là, vraiment, c'est un truc qui me dépasse. Ok. Très bien. Copier, non. Pardon, continuez. On continue la tontine, là. La cotisation.
J'envoie. Attendez. Transférer. C'est ça, non? Après, je fais comment? Il y a quelqu'un qui voulait. Qui t'a coûté? Ouais. Pardon, mon bébé. Donne quelque chose, non? Hein? Pardon. J'ai laissé. Abeille de Londres, là. Je suis en train de te chercher pour te. Oh. Je vous ai dit que vos machines de grand téléphone, si là, vraiment. Na waouh. En non, non, faut utiliser. On fait comment? Donc, on clique sur le message, non, pour copier-coller. On fait comme ça, non. Moi, j'ai besoin des gens qui m'appellent pour cotiser. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit ici. Beaucoup m'a fou. Je sais pas. Mais on est là pour faire le coup, c'est mon frère. Bon, on va parler du père de l'enfant. Il m'a donné la permission de parler de lui. Et il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, Mafo, tu peux répéter mon histoire comme tu veux. Abeille de Londres, je suis en train de chercher. Hein? Tu m'as envoyé un message maintenant. Abeille Canada. Ok. Bon, Abeille de Londres, écris-moi un message là, s'il te plaît. Tu m'as dit que tu voulais coûter 30 000 francs CFA. Merci infiniment. Allez, on active le PayPal, on active. Nous sommes déjà à combien? Après, je vais couper, je vais prendre notre téléphone et on va continuer. Ah oui, Abeille de Londres. Ah, j'ai déjà déposé Orange Money. Ok, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça, c'est mon... Ah ouais, j'ai même WhatsApp sur mon numéro du Cameroun. J'ai fait WhatsApp ou ces sociétés. WhatsApp, comment vous appelez là? Ou c'est entreprise? D'accord, c'est merci. Je viens de cotiser. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai deux WhatsApp dans le téléphone dont je cherchais. Donc, même mon numéro du Cameroun à WhatsApp. Alors, ok, très bien. Voilà, merci au président Henri Mamouza. Vous savez, nous sommes dans un cas d'urgence. Il n'y a pas, il est hors de question, hein? Il est hors de question que on commence à dire que on va prendre l'argent sur l'argent que pour aller faire ceci pour la veiller. On ne prend rien sur ça. Ça sera une veillée sec, à sec. La veillée sinon, que chacun mange d'abord bien chez lui. Vous comprenez? Que chacun mange bien. Moi, je vais acheter moi, je ne bois pas la bière, ma faut ne mange jamais. Je vais, moi, acheter ma petite bouteille de mon vin rouge, là. Je mets ça en bas de ma table. Il y a quelqu'un qui vient de me dire qu'il a coûté combien? J'ai envoyé 100 euros. Ouh, on applaudit pour qui? Pour qui? Oh, on applaudit pour Flo Bunga. J'ai envoyé, c'est, coucou, ma faut, j'ai envoyé 100 euros suivi d'un message sur ton PayPal. Flo Bunga, 100 euros. On applaudit pour qui? Pour qui? Oh, on applaudit pour qui? Pour ma soeur, on applaudit pour qui?
Non, 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 moi je bois maintenant que le jus. Hein. Moi, il faut ne manger jamais. Moi, il faut ne manger jamais. Moi, le soir comme ça, non, j'aime bien boire le cappuccino. Ta la ta 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 ta. J'ai déjà cotisé ma fausse, c'est juste pour te. C'est ton abel de Strasbourg, Marie-Noël. Oui, tu as cotisé combien, maman? J'avais rencontré qu'il devait se marier à un bâtonnier, un avocat, ton frère avocat au Cameroun. Yeah. J'ai cotisé 50 euros. Sur PayPal, maman? Oui, sur PayPal, au nom de mon ancien mari, Ek. Hey, c'est le mari déjà fini, Mako? Non, non, je suis toujours mariée. Eh, hey, merci, Seigneur. C'est ça qui est dans mes cartes bancaires. On applaudit pour qui? Pour Marie-Noël. On applaudit pour qui? Marie-Noël de Gouy. Marie-Noël de Gouy. Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui? Merci, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui va vous bénir. J'avais beaucoup aidé, non? Quand ma belle-sœur est venue mourir ici, j'avais appelé ton ex-mère là pour qu'elle t'appelle pour que tu... Tu parles un peu de ce décès. Tu as parlé de ça et j'ai récolté près de 8000 euros pour rapatrier le corps. Maman, tu as pris. Ah. Oui, je me souviens de ce décès-là. Je me souviens. Voilà. Voilà. Ex-mère, maman, j'ai deux mères en France, maman. Ota. Je ne sais pas si elle a appelé que l'ex-mère, non. Ex-sistou. Ah oui, c'est mon ex-sistou qui m'avait fait part que quelqu'un était décédé à Strasbourg, voilà. Et il fallait faire la collecte. Ah, tu avais eu 8000 euros, et moi, tu as eu la chance. Oui, j'avais fait une veillée ici où j'ai récolté 8000 euros et c'était grâce à toi. Merci, oh! Moi, je ne peux pas te voir faire quelque chose, je reste insensible. Ma, donne encore 50 euros, ça fait 100 euros, non, ma? Donne encore même 100 euros, ma. Donne même 100 euros, ma, non? Donne même. Donne encore même 50. Ok. Ma, mets encore 100 euros, ma. Tu vois notre soeur, la honte, c'est sur notre visage jusqu'à... On a honte. On a honte. Maman, qu'on jette l'enfant de toi dans les bois de singe, ma. Adama. Non, son... Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Maman, quand vous restez comme ça, partez toujours aux choses des gens. Quand tu entends qu'on pleure dans une maison, va toquer, tu demandes que qui pleure. Ne restons pas ici, on dit que ça ne va jamais nous arriver. Je ne sais pas si cette fille partait dans les veillées des gens. Parce que je ne comprends pas pourquoi ses copines ne cotisent. Je ne comprends pas. Est-ce que partait la chose des gens? Les vraies amitiés. Hein? Non, moi je reste avec mes abeilles. Ah, non. Les filles qui buvaient. Non, je vous donne les mains. Ah, merci ma soeur. Les copines, ça sert à quoi, maman? Hé, hey, ma soeur, donc mon frère est toujours bâtonnier. Ton frère est toujours bâtonnier, il a même été nommé par Samuel Eto'o à la Fécafou. Il est représentant de la Fécafou dans le nord. Dans le nord de où? Dans le nord du Cameroun. Et puis, moi, au Qatar, j'ai sauté les métros au Qatar, ma. J'ai sauté les métros au Qatar. Il faut leur dire qu'en Côte d'Ivoire, si on ne me prend pas, je vais faire le sabotage. Je vais dire la vérité aux Camerounais. D'accord, ma soeur. Ça marche. Bisous, ma soeur. Bisous, maman. Je t'embrasse. Merci. Le bienfait n'est jamais perdu. Coucou, ma faux. Attends. Ah oui, c'est la femme du bâtonnier. J'enregistre, non. Enregistré. Alors, Strasbourg. Vous savez, quand vous restez, hein, il faut aller au chaud. Quand vous entendez qu'on pleure, bah, ne dites pas qu'on ne part jamais dans les veillées des Camerounais. Tu ne pars jamais dans les veillées des Camerounais que quand ça va t'arriver. Les qui vont aller s'asseoir là-bas pour toi. Hein? Quand vous asseyez, vous ne partez pas aux choses. Les gens, vous savez qu'au Cameroun maintenant, il n'y a plus question que les gens vont dans les deux parce qu'ils ont faim.
Tu ne viens pas la chose de quelqu'un quand ça t'arrive, non. Demandez, on va vous dire. Quelqu'un veut cotiser. Merci, ma soeur. Oh, merci beaucoup, ma soeur. Merci infiniment. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'envoyer. Ah, ok. Avocat. Ah, bonjour, maître. Je sais que tu vas bien. Tu viens d'envoyer 50 000 francs. Ouais, maître, pardon, ajoute encore 50 000, ça fait 100 000, non. N'est-ce pas, tu es avocat? Ouais, pardon, fais ça pour notre soeur, non. Au Cameroun, il y a un avocat qui vient de mettre 50 000 dans le... Ouais, maître, pardon, donne encore 50 000, non, pardon. Maman, il y a un avocat qui vient de mettre 50 000, il y a quelqu'un qui vient de mettre 20 000 dans PayPal. Maman, il y a un avocat qui vient de me dire, ma faut j'ai mis 50 000. Tu es avocat, non? Donne encore l'autre. Pardon, maître. Pardon, il y a la honte sur mon visage. Ma faut ne mange jamais. Oh. Pardon, maître. Donne encore 50 colos, non? Tu viens de donner 50 colos, mais encore, non? Ta la ta 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 ye, chopossi. Titan, il est 23h. Aujourd'hui, je ne dis pas moi. À minuit. À minuit, je coupe. Ta la ta 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 ye, chopossi. Titan la ta 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 ta, gizo na pari o, ti la kola e. Gizo na sans e. Gizo papa 150 euros. Gizo papa 150 euros. Non, papa Gizo maintenant. Papa Gizo 155 euros. Papa Gizo n'a 155 euros. Ouais, qui t'en coûte? Tu es mon fils, non? On est sera à Los Angeles ensemble. Pardon, là, vous la honte, me donne quelque chose. Ouais, pardon, donne quelque chose, non? Coucou ma faut, j'ai envoyé 5 euros dans PayPal. Ok, maman, merci beaucoup pour les 5 euros que tu as envoyé dans PayPal. Merci. Donc, c'est-à-dire que, ma, quand tu me vois assise devant Facebook, c'est 5 euros que tu as vu que tu vas envoyer. Franchement, même si on dit que ma, franchement, et tu me dis, mais si tu n'es pas pour reprendre tes 5 euros. Non, mais attends. Ma, faut merci beaucoup, mais tu envoies 5 euros. Ma, faut j'envoie 100 euros. Ah oui, c'est 100 euros. Ah, merci mon bébé, on applaudit pour qui? Pour qui, pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui? Maman, j'avais mis 5 euros, j'ai mal lu. Maman, aïe, tilapia. Je peux lire plus que hey, tu. Merci, oh, ça fait 100 euros. Merci, oh. On applaudit pour qui? Pour Chacha. Ça, c'est qui? C'est Chacha. Vous savez que des fois, je. Achat terrain. Ça, c'est une personne qui voulait acheter terrain avant. Ah! En passant, le terrain a été vendu déjà. Alors, on applaudit pour qui? Ma faut ne se fasse jamais. Hein. Vous savez que ma faut non, ma. Mais quota, je voulais d'abord remettre quand même comme 5 euros, ma. Attends. De m'asseoir, qu'on va sur Facebook, les gens qui parlent là, tout ça là même que. Ma, pardon, je demande pardon. Je l'avais mal lu, cette tilapia. Merci, oh, merci beaucoup. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? Oh. Je te fais des gros bisous, merci beaucoup. Maman, on ne peut pas faire la collecte si on fait le Congo ça. Jamais. Vous savez quoi? C'est le Congo ça qui nous retient. C'est le Congo ça qui nous retient. On va parler du père de l'enfant. Avant de parler du père de l'enfant, toi, la gigolette de le King. J'ai ton passeport. Ton Gunda, tu vas perdre ça. Tu comprends? Moi, si. On t'a pas encore parlé de moi. Tu viens de Kemambeng. Oh, tu viens en mariage, blessé de guerre. Tu arrives en mariage. En février. Tu as déjà fui.
Yeah. Une fille te choisit à son enfant, on te fait venir en bain. Parce qu'on dit qu'en bain, c'est deux mains qui attachent une boule. C'est ce que tu as promis. Tu arrives, tu ne restes même pas au Bamaré, tu tombes dans le Sosongo. Te voilà parti. Oui, il y a Tap Tap Sense. Envoyez avec le code de Nicole Bio, s'il vous plaît. Donc, tu arrives, tu tombes dans le Sosongo. Tu t'assois. Tu t'assois, tu fais la maman des ninjas. Les ninjas, tu peux prendre un client. Hein? Tu t'assois, tu fais. Tu t'assois comme ça dans la chaise. Mbomtolo. C'est toi qui es la caissière de la pimenterie. Toi, tu peux tourner quelle. Tu peux faire quelle position avec le client? Hein? Dis-moi un peu. Ça dit que moi, je ne comprends pas. Même si on dit qu'on est de l'autre côté. Même si on dit que double SIM. Elle achète quoi sur toi? Elle achète quoi sur toi? Hein, ma chère? Ça veut dire que tu vois d'abord ta position, on le t'assoit pour dire que l'angassi m'a aidé, je veux que ma main. Tu es le plus méchant des Koudjé qui existe. Tu vas perdre ton kaolo. Tu m'as perdu, tu as dit que quoi? Que on veut te porter plein, c'est ça, hein? Je ne sais pas si tu as mon CV. Je parle de le King, là, le gigolo de King, là. Tu es arrivé en février, ça fait 6 mois. Moi, je suis arrivé en France en 2001. Je ne sais pas si c'est 2001 ou 2002. Je suis à plus de 20 ans de mai. J'ai grandi à Roubaix. Je fus chef terre. C'est-à-dire que moi, j'ai été chef terre. Quand je décide. Je t'accompagne à la gare. Donc, quand je décide que tu quittes la ville, quand tu arrives, moi, tous ceux qui arrivent dans la ville, on m'appelle. Il y a telle personne dans la ville. Moi, j'ai la sécurité. J'avais la sécurité partout. Donc, dès qu'il y a l'arrivage, on m'appelle. Et quand je ne veux pas que tu... On t'accompagne à la gare. On te donne le train. Si tu as la paix, on arrache ça. On jette au goudron, on te met dans le train. Te montre que même la police est là. On ne me fait rien. Tu as la chance que je suis vieille. Parce que si j'étais encore fleur de lit d'avant, que je marchais avec les gangs là, que les ninjas m'entourent, ce que te fait quitter le. Je viens à Toulouse, où c'est Minouz, où c'est qui te fait quitter la ville. J'ai envoyé beaucoup en retraite sur Facebook. Je suis une Roubaisienne. Une gars que ses copines, toutes ses copines ont fait le ngata. Je suis dehors. Zéro ngata. Un peu de garde à vue, un petit peu un janja. Pour un peu secouer les niens. Mes copines sont allées au ngata, elles ont dit qu'elles ne sortent pas. On leur a dit que vous ne sortez pas. Elles ont dit que non, on ne les libère pas. Parce que je suis dehors. Cotiser, on continue l'histoire. Ma faux ne ment jamais. Qui a cotisé là? Qui a cotisé? Ma faux ne ment jamais. Ouais. Ah. Merci beaucoup. Oh, merci. Oui, je n'ose. Je connais. Je connais. Pardon, ajoute encore, non. Maître. Il faut ajouter encore quelque chose. Je continue l'histoire. Quelqu'un a cotisé. Vous voulez entendre le Japon. Vous voulez entendre le Congo. Vous ne voulez pas cotiser, vraiment. Vous ne voulez pas cotiser. Moi, il faut faire une pause. Tu sais quoi, mamie? Tu vas perdre ton cas. Si tu ne rembourses pas, donne. Tu sais, tout l'argent que tu as chop. Mange, donne les 800 euros. C'est le femme là. Ma faux, le femme là. Yeah, maman, tu dis que ma faux, c'est ma faux et le femme là. Dès que tu t'assois, les gens commencent à donner, ma. Ouais, c'est la pitié, maman. Vous donnez. Vous savez que quand on entend la mère de Janine pleurer, ça fait vraiment mal.
les filles, là où vous êtes assises là. Regardez quand il y a les deux, vous me voyez, tu es en train de tourner les beignets ici. Je n'ai pas les autres. Tout ça là, c'est l'huile qui me brûle. Une star qui tourne les beignets tout le temps, partout, partout. Quand je fais les ailes de poulet. Les gens, vous, tu sais, vous savez, on peut tout dire de moi. Mais je suis une personne qui connaît le savoir-vivre, qui sait vivre en communauté en fait. Depuis Lille, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Je fais faire toutes mes folies que vous voyez souvent là. Mais derrière, je suis quelqu'un de très posé. Je suis quelqu'un qui sait faire du bien. Je suis quelqu'un qui sait assister les gens. Dans la vie, on ne se suffit jamais. On ne se suffit pas. Arrêtez de vous asseoir et dites tout le temps que je ne fréquente pas le milieu camerounais. Quand tu entends que quelqu'un pleure, va aussi demander que c'est qui. Vous voyez souvent les deuils des gens. Il y a des gens qui font les deuils ici. Il n'y a personne. Pourquoi? Il n'y a personne parce que la personne partait pour qui? Il n'y a personne parce que aujourd'hui, Asmé chie. Il y a, c'est le donnant à chier. Ça veut dire que tu viens ma part, je viens ta part. Donc, la veillée, c'est ce qu'on veut faire là. J'aurais aimé savoir la vie. La vie. La vie sociale. Comment on dit là? Ouais, le français est dur. La vie en communauté de Janine. Comment elle vivait en communauté avec les gens? Ouais, Henri Mamouza. Il veut dire quoi? Il va... Oui, président. Oui. Il y a certains noms qui ont cotisé l'argent là-bas. Comme j'ai oublié de te dire ça. Où? Tu es encore en direct? Oui, je suis encore en direct. Tu veux que quand je coupe, je t'appelle? Ah oui, ok. Tu sois sous transport. Oui. Oui, papa, on t'écoute. Oui. Il y a Guru de Nightclub, New Bear Nightclub, que je l'ai eu à 16 à 17 heures. Il était là, il m'a dit que c'est tout le matin. Je l'envoie le lit, il fait où il vient du mardi. C'est là. Oui, attends un peu, papa. Attends un peu, je vais mettre sur la liste des 1500 qu'il y a là-bas. Je ne mets pas dans le cahier de Facebook. Je mets à côté. Donc, ouais. Maître Ngamo, oui. Maître Ngamo, je l'ai vu aussi. Il est en vacances. Il m'avait dit qu'il est en vacances. Il m'a aussi dit de l'appeler avant 11h demain. Donc, ce sont les gens qui n'ont. Il y a Marie-Claude. Elle m'avait dit de donner un truc en PayPal. J'ai demandé à Talakou à donner un PayPal qu'elle a donné 50 euros. Elle a déjà viré dans le PayPal de. Oui, mais ceux-là, pardon, mon président, pardon, on ne va pas parler de ceux-là sur Facebook parce qu'il ne faudrait pas que je parle de certaines personnes demain. Ça me porte préjudice que j'ai amené leur nom sur Facebook. Je préfère que tu fasses ça là-bas avec le cahier de qui se trouve là-bas au bas. Tu vois un peu. Ici, là, je parle uniquement de ceux qui sont en train de cotiser là tout de suite sur Facebook. Merci. Tout le monde qui veut cotiser, qu'il faut assister à ces réunions. Jeudi soir à 19h, chez un restaurant de Chicago. Ok, donc jeudi à 19h, restaurant de Chicago. 19h, c'est pas un peu tôt, les gens travaillent. Bon, tu sais, quand j'ai dit 19h, tu connais, non? D'accord. Donc jeudi à 19h, restaurant de Chicago, ça se trouve à la gare du Nord ou bien? Non, non, à 54. Rue Macadé, 18e. 54 rue Macadé, 18e. Oui, d'accord, très bien. Donc, jeudi à 19h, 54 rue Macadé, à Paris, les gens qui veulent cotiser, les gens qui veulent aider, il y aura réunion. Là-bas, c'est la veillée ou bien c'est la réunion? Non, c'est la réunion. Oui, c'est la réunion. Et puis, vendredi, il y a la veillée. La veillée de vendredi. D'accord. C'est dommage que moi, je n'ai pas le frais de. La réunion, pour le truc, pour la veille là devant moi. Non, laisse présent, on va gérer ça en off. S'il vous plaît. Ok, merci. Vous savez que quelqu'un vient de cotiser encore 20 euros. Après ça, je vais couper et puis je vais prendre mon téléphone de PayPal. Je vais vous, on va gérer en transparence. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous savez que je suis. J'ai le. Comment dire? Moi, je suis sur Facebook. J'assume d'être là. C'est mon bureau.
Et puis, c'est mon bureau avec mes abeilles et puis certains sympathisants. J'aime pas prononcer les noms des gens parce que demain, ça va être qu'elle m'a mis sur... Même si c'est... Vous savez qu'il y a des gens, il y a des personnes qui peuvent te détester que pour rien. C'est-à-dire que c'est même parce que tu as prononcé. C'est pas que tu as fait quelque chose, quoi. Et du coup, vous savez, moi, je me suis dit, je ne veux plus me créer des ennemis. J'ai ma mère qui est là, qui est très malade. Je ne veux plus me créer des ennemis n'importe comment. Moi, je sais que je parle des abeilles. Il y a des personnes qui prononcent un nom parce que c'est que non, c'est rien. Même si on est dans un moment de cotisation, il y a des gens qui vont tout dramatiser. Même quand tu prononces le nom de quelqu'un bien, les gens appellent sur un téléphone. Oh, Claude, il a dit qu'alors que ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai dit au président Harry Mahmouza, c'est que ceux qui ont cotisé là-bas, c'est là-bas. Moi, je gère. Ce que je vais vous donner sera ce que les gens ont dit ici, là, qui cotisent les gens là, aujourd'hui. On parle depuis du père de... enfin, je reviens sur la gigolette là qui est arrivée, qui a fui. Dans la vie, surtout quand tu arrives en Europe, tu viens d'arriver, ça fait 6 mois. Égoué, Muriel... Et tout. Tu viens d'arriver. Tu ne sais pas de quoi t'es réservé demain. Ce que tu as fait subir à Janine, tu auras sa fois 100. C'est sur terre ici qu'on paye tout. C'est ici sur terre qu'on paye tout. Tu viens d'arriver. Tu es encore dans le foyer. Là où on cherche à voir les papiers, c'est là-bas que tu es. Et tu auras la difficulté. Sache que tu portes la mort d'une personne sur ta conscience. Parce que le cancer, c'est une maladie que je peux être assis, je touche du bois. Tu peux être là que tu as ça. Mais tu vis, tu es là, tu parles avec les gens normaux. Hein? Tu parles, tu causes, tu peux boire tes billets, tu sais que tu as. Tu suis ta chimiothérapie. Il suffit peut-être de lâcher pour que ça rebondisse. Mais elle a cette maladie depuis. Ce n'est pas une maladie qu'on a découvert aujourd'hui, demain elle est morte, non. Quand on dit d'une longue maladie, elle avait ça depuis, tu savais qu'elle était malade, elle te l'avait confié. Donc tu venais pour rester auprès d'elle, pour la soutenir. Mais tu es venu l'enfoncer. Parce que ton stress, le stress que tu lui as donné, en enfermant son enfant dans la cave, parce que toi seul tu prends tout le lit, il n'y a pas la place pour l'enfant pour dormir. Tu l'as stressé. Tu as créé tu as fait le triangle qu'elle a découvert. Elle a découvert qu'elle n'avait plus rien. Et tu la tiens au chantage. J'ai une fille qui m'a contactée. Que tu es une fille de Biémassi. Et que tu as tout filmé les filles avec qui tu niasses. Tu gardes les photos pour faire le chantage. Il y a mon fils qui m'appelle. Pourquoi Choupi m'appelle à 7 heures? Oui, chaud. Tu cotises combien? Oui, je sais que tu es le service social, mais non, c'est bon, on l'a déjà récupéré. Tu fais le placement des Mouna, non, on l'a déjà récupéré. L'enfant a la DAS déjà. Ok. Je cotise 30 euros. 30 euros. Tu m'envoies ces choupis? Tu peux pas. Il y a mon fils qui cotise 30 euros. Il est assistant social. Il demandait qu'on place l'enfant là, qui est en train de maltraiter. Parce que lui, son travail, c'est de placer les enfants à la DAS. Oui. Non, Poupouyou dort. Tu as encore écrit ton truc. Ah, ok, merci, chou. Mais as-tu encore 20 euros? Non, ça fait. Non, 30 euros, c'est déjà bien. Je suis sûr que tu fais comment pour que c'est moi qui cotise ta part. La même chose. Quand je vais vieillir, c'est que tu vas bien t'occuper de moi comme je m'occupe de ma mère. Tu vas pas aller me jeter là-bas à la maison de retraite. Chou, pardon, fais-moi les papiers pour que je lâche l'aim, non? Pardon, tu vas m'aider, non? Moi, je n'ai plus d'argent pour payer le loyer cher, pardon. D'accord, merci Chou. Bisous, tu embrasses Poupouyou. Mm-hmm. Bisous. C'est mon fils, il cotise 30 euros.
Donc, je suis coté 30 euros. Alors, je dirais que ça monte, hein. Non, l'assistance sociale, il demandait que qui a menacé l'enfant, enfermé l'enfant à la cave. Parce que ici en Europe, ce sont les enfants qui commandent. C'est ça. Et son travail, il place les enfants en. Il les place. Voilà. Donc, pourquoi le papa de l'enfant. Marie Jésus dit pourquoi l'enfant, le papa de l'enfant ne récupère pas l'enfant. Bon, d'accord. On va revenir sur cette histoire. Est-ce que je coupe le direct? Laissez, je coupe le direct. Ça fait une heure, non? Ça fait une heure, parce que. Ça fait une heure ou pas? Ça fait combien de temps? Hein? Est-ce que ça fait une heure? Je coupe le direct, je relance. S'il vous plaît. Mafo, bloque ça, s'il te plaît. 2 heures. Waouh, attendez, je coupe.